Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Imana ya Congo na sepeli komona presida na ngai Kisekedio na vile na biso ya mboka oyo ya Congo Bukavu to sepeli mingi komona ye yango yo ngai na kobetale maboko maboko yango yo ngai na koyembela ye yango yo tikana ebisa ye na motema na ngai umela presida na ngai Umela papa Tshisekedi, umela 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 papa nanga yo oh oh oh. Mon président Chilombo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà enfin après moult tergiversations, le gouvernement Sama Lukonde est sorti. Voilà, Yemoko Nakati à point de presse. Azali copé sa explication été et Oumeli parce que Balingaki va satisfaire les uns et les autres. La société civile, les partis politiques, le quota des femmes, etc. Voilà. Donc Balingaki pé nombre. Il y a pas ministre Oyo et Zalaki Bosso, Soki 67. Il fallait réduire Yango de 18, Balongola 18. Donc, Salima Kassi et Kokite, donc, réussir à réduire de 10. Donc, ce qui fait, nous on a entendu 55, mais bon. Il y avait 66 ministres, 65, 66, mais bon. 55 ministres ou membres du gouvernement, parce qu'ils ne sont pas tous que des ministres. Il y a des vice-premiers ministres, il y a des ministres d'État, il y a des ministres, mais tout ça, on englobe en les appelant des membres du gouvernement. Voilà, Toyokaye Yemoko Azali qu'on présentait, ba explication, Dengenini, ba vantadi qu'on procédait. Et Zalaki Passi, Yangwana et Oumeli. Voilà, il fallait jeunesse à Zalamakati, société civile à Zalamakati. Et voilà pourquoi Oumelaki. Enfin, bon, la fumée blanche est sortie, la liste est là. Nous avons tous déjà lu ou entendu, mais bon, voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu. Regardez à temps, voilà, nous présentons cela et vous allez analyser vous-même et entendre les différentes questions qu'on lui pose et puis les réponses. Voilà, chers compatriotes, regardez. Je suis dans un sentiment de satisfaction du fait que nous soyons arrivés à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Je crois qu'il vous souviendra que après ma nomination, j'avais amorcé des échanges avec les différents regroupements et partis politiques d'abord qui ont une représentation au sein du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais que par la suite nous avions élargi ces échanges aux personnalités politiques, à la société civile, aux associations et syndicats de la société civile, pour avoir aussi leurs avis quant à l'enrichissement du programme du gouvernement que nous allons devoir désormais présenter à la représentation nationale.
Et à la suite de ces échanges, pour les regroupements partis politiques, particulièrement ceux qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale, nous avions défini un critérium. Critérium qui allait d'un nombre minimal de députés qu'il fallait avoir pour prétendre à un poste au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et nous avions aussi donné un critérium sur les personnes, c'est-à-dire en termes d'intégrité, de moralité, et de nous assurer que ces personnes devaient avoir un casier judiciaire vierge. Mais nous avions aussi mentionné que nous devions avoir un gouvernement qui tienne compte de l'inclusivité de toutes les forces présentes au sein de l'Union sacrée de la nation. Et aussi, au-delà de cette inclusivité, que nous puissions avoir une certaine solidarité au niveau des forces politiques. Et donc, vous comprenez bien que c'était un exercice assez complexe à mener à partir de ce moment jusqu'à ce jour. Une fois que nous avions bouclé ces échanges avec toutes ces forces, nous avons entamé une série de séances d'arbitrage avec le chef de l'État pour pouvoir finaliser le travail de la formation du gouvernement. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, d'abord remercier tous ces regroupements et partis politiques et toutes ces représentations que nous avons eu à recevoir pour leur collaboration dans le travail que nous avons dû mener, travail que nous avons mené avec détermination, abnégation et avec tact. Et aujourd'hui, vous avez tous suivi la publication du gouvernement. Et je vais revenir sur les objectifs qui m'avaient été assignés en ce qui concerne la formation du gouvernement. Il nous avait été demandé, et je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une taille réduite. Et aujourd'hui, la publication a permis de découvrir un gouvernement réduit d'au moins 10 ministres par rapport au gouvernement sortant. Nous sommes arrivés à ce chiffre, d'abord en tenant compte des forces politiques présentes au sein de l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, nous avons tenu compte de la société civile, et je pourrais donner des détails là-dessus, mais aussi des personnalités politiques. Parce que n'oubliez pas que au sein de l'Union sacrée de la nation, et là je voudrais au passage remercier le travail abattu par l'informateur au niveau de la majorité qui devait être établie au Parlement. Je parle ici de l'honorable président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, qui avait déjà dénombré 391 députés ayant adhéré au sein de l'Union sacrée de la nation. Et donc, nous avons des regroupements qui ont adhéré avec la signature des présidents de ces regroupements en les engageant totalement. Et puis nous avons des personnalités politiques qui ont adhéré en tant qu'individus. Et il fallait tenir compte de cela lors de la formation du gouvernement. Et ces échanges se sont faits individuellement, ça veut dire avec chaque regroupement. Et nous avons reçu de ces regroupements ce qu'ils attendaient du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, mais aussi de comment est-ce qu'ils voyaient leur participation au sein de ce gouvernement. Et il a fallu que nous puissions faire des arbitrages et aboutir à ce chiffre que nous avons. C'était un exercice qui s'est fait dans la contrainte, je dois l'avouer, parce que c'était un exercice inédit. Je pense que pour moi, qui étais déjà député depuis 2006, j'ai vu la plupart des
dans toutes les législatures, on n'a jamais eu une majorité aussi large au sein de l'Assemblée nationale. Alors comment, pour plus de regroupements, plus de forces politiques ayant adhéré, réduire le nombre? Ce n'était pas facile. Et moi, j'ai considéré que pour la plupart de ces forces, il y avait une volonté de vouloir servir la nation. Et nous avons répondu que aujourd'hui, nous formons le gouvernement avec ceux qui peuvent y adhérer, mais il y a plusieurs secteurs de la vie nationale à animer. Et nous sommes convaincus que pour ceux qui ne peuvent pas servir au gouvernement aujourd'hui, il y aura d'autres secteurs où ils pourront servir. Pour parler du genre, parce qu'après la taille du gouvernement où on nous avait demandé de réduire, on avait demandé plus de participation féminine. Et là-dessus, je dois mentionner que lors de la journée de la femme, j'ai reçu un plaidoyer et tout le long du mois de mars, on a insisté sur le fait qu'il devait y avoir un effort à ce que nous puissions avoir plus de femmes représentées au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ça a été un exercice que nous avons dû faire avec les chefs de regroupement parce que nous demandions chaque fois qu'il y ait pour un poste ministériel, en cas de proposition, des personnes devront animer ce poste ministériel. Trois propositions qui tiennent compte de l'expérience, du genre, mais aussi du facteur jeunesse. Il y a des groupes avec qui nous avons pu avancer de manière positive, et pour ces groupes-là, je les remercie. Avec d'autres, ça a été plus difficile. Mais toujours est-il que je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation, avec un total de 15 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Et cette participation féminine, nous ne la voulions pas que quantitativement, mais aussi qualitativement. Et vous pourrez voir que lorsque vous parcourez la liste du gouvernement, c'est déjà au niveau des vice-primatures que nous avons une femme, en la personne de l'honorable Eve Bazaïba. Et au niveau des ministères, nous avons 10 personnalités féminines qui sont aujourd'hui ministres. Nous avons 3 vice-ministres et une ministre déléguée. Et donc, c'est un effort qu'il faut poursuivre. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu un gouvernement ici en République démocratique du Congo depuis l'indépendance qui contient autant de femmes. Et j'estime que c'est un pas, mais qu'il faut continuer à aller vers le sens de la parité, non seulement au gouvernement, mais aussi dans toutes les autres institutions de la République démocratique du Congo. J'espère simplement que ce fait qui arrive au mois d'avril, après le mois de mars de la femme, sera accueilli comme un premier pas qui va dans le sens de la parité. En ce qui concerne la représentativité nationale, parce que de ce côté-là aussi, il nous avait été demandé, surtout que nous parlons du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, d'avoir au maximum de représentants des provinces au sein du gouvernement. Et de ce côté-là, je pense que c'est un exercice des points dans lesquels les regroupements et partis politiques ont un plus grand ancrage au niveau de la République. Donc le fait que nous avons eu plusieurs regroupements
nous avons pu recevoir des candidatures de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et là-dessus aussi, de manière inédite, je suis content d'annoncer que c'est un pari réussi d'avoir toutes les provinces représentées au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. En ce qui concerne les figures au niveau du gouvernement, parce que je suis sûr que sur vos lèvres, vous vous posez ces questions-là, je vais donner quelques éléments, parce que c'est important que nous ayons quelques chiffres de ce côté-là, sur les membres du gouvernement entrant. Nous en avons 10 qui ont été reconduits comme membres du gouvernement, dont 8 à la même position et 2 à des positions différentes. C'est donc un taux de 20% de renouvellement au niveau de l'institution gouvernement. Et donc, il faut considérer que nous avons 80% de nouveaux entrants. On ne va pas dire de nouvelles personnalités, parce que pour la plupart, vous l'avez constaté, ce sont des figures qui sont déjà très aguerries dans le monde politique, mais qui font leur entrée dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit là de 46 membres d'entre eux. Et en ce qui concerne la jeunesse, de ce côté-là aussi, il y a eu un effort considérable qui a été mené. Et ici, comme pour les autres objectifs qui nous avaient été donnés, ça s'est fait toujours avec la participation des regroupements politiques pour atteindre un taux d'à peu près 28%, si jamais je peux le dire ainsi, de jeunes. Et par là, je vois ceux qui ont moins de 40 ans et ceux qui sont entre 40 et 50 ans. Pour le reste, nous avons à peu près 24% de ces personnalités entre 50 et 60 ans. Et nous avons le membre, finalement, la membre la plus jeune du gouvernement qui est âgé de 28 ans à la position de vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et je pourrais donner plus de détails au cas où il y a des questions qui vont dans ce sens-là. Nous avons tenu aussi à ce que nous puissions avoir la participation de la société civile et des personnes vivant avec handicap. Et je pense que le chef de l'État, pour marquer un certain accent à cette question, a cédé à des postes de souveraineté, parce qu'ils sont dits comme tels, à savoir le poste de la justice et garde des Sceaux, où nous voyons Madame Rose Mutombo, qui est une grande activiste et présidente de CAFCO, qui fait son entrée au gouvernement, ainsi que le retour de Madame Irène Essambo comme ministre délégué et ministre des personnes vivant avec handicap. Sur les personnalités politiques, je vais peut-être dans la suite transmettre une liste un peu plus précise des noms, pour qu'on puisse savoir quelles sont ces personnalités qui ont adhéré au niveau de l'Union sacrée de la nation et qui sont représentés au niveau du gouvernement. Mais je pourrais donner l'exemple du ministre des Droits humains, qui est l'honorable Puella Fabrice, que tout le monde connaît. Et il y a encore d'autres visages qui sont à ce niveau des personnalités politiques qui ont adhéré au niveau de l'Union sacrée de la nation, qui font partie du gouvernement. Et en ce qui concerne les priorités du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, maintenant qu'il a été publié, il faut d'abord retenir que la priorité des priorités reste désormais d'être prêt avec le programme du gouvernement
enrichi par les forces et regroupements politiques que nous avions reçus lors de nos consultations pour la formation du gouvernement. Et avoir le privilège d'être reçu au niveau de l'Assemblée nationale et espérer que ce programme du gouvernement pourra recevoir leur assentiment et bénédiction et qu'il pourra bien sûr contenir toutes les attentes du peuple congolais en ce qui concerne la transformation de sa condition sociale. Et une fois que le gouvernement sera installé, nous allons revenir sur les axes prioritaires qui nous avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, la santé, surtout en cette période de pandémie à COVID-19, l'éducation, le développement à la base et bien sûr, puisqu'il faut faire face à toutes ces difficultés que nous avons au niveau du niveau du budget de l'État, il va falloir que nous puissions avoir des réformes dans le domaine fiscal. Et il va surtout falloir que nous puissions les mener pour avoir suffisamment de moyens afin de maintenir le processus et le cycle électoral, parce que là aussi, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, au-delà du fait que nous devons diversifier notre économie, notamment à travers l'agriculture et l'industrie, mais aussi l'entrepreneuriat, et que c'est un exercice que nous devons faire dans cette période où, de plus en plus, la République démocratique du Congo devra s'auto-suffire. Donc, c'est un premier cap franchi qui a été la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'autres caps désormais nous attendent, notamment le Parlement, mais ensuite le travail acharné sur lequel nous sommes attendus pour inverser la tendance, surtout de la paix, mais surtout aussi de la situation économique de la République démocratique du Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs de la presse, les quelques mots que je voulais donner en introduction, en vous remerciant d'avoir répondu présent à cette invitation de ce point de presse à l'occasion de la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et bien sûr, je vais me tenir à votre disposition pour répondre à quelques préoccupations. Et pour celles qui vont nécessiter plus de détails, bien sûr que nous allons avoir les canaux habituels pour vous les transmettre. Merci à toutes et à tous. Voilà donc les mots du Premier ministre, mots prononcés à l'instant. Le Premier ministre qui devrait maintenant répondre aux questions des journalistes, un point de presse que vous, auditeurs de Top Congo, allez suivre donc en direct. Les questions des journalistes. De réduire le poids des institutions politiques et d'éviter le partage de la crise, c'est un peu ce qui a remonté la société civile. Vous-même, vous espériez faire un gouvernement qui était plus restreint que celui que vous présentez aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même... Alors, pour cette première phase, un petit problème technique de micro.
Vous allez pouvoir suivre les questions, je vais vous les résumer. Pour le moment, c'est Sonia Rollet de RFI qui pose la question. On écoute la réponse du Premier ministre. Lance enfin les Congolais peuvent dire ouf de soulagement. Le gouvernement Samaïla, pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier ce gouvernement? Et vous avez parlé des 37% des femmes au sein du gouvernement. Dans ces qu'attendez-vous de ces femmes? Parce que je puisse être pas seulement du nombre, mais de l'efficacité aussi des femmes au sein de votre gouvernement et en rapport avec les mouvements politiques. Qu'attend le Premier ministre, particulièrement des femmes qui sont à ce point important en présence au gouvernement, comme l'a souligné le Premier ministre? Réponse du Premier ministre. Ces questions, alors Madame Sonia, c'est sur la taille du gouvernement. Effectivement, je pense que j'avais annoncé que le souhait avait été d'atteindre 30% de réduction de la taille du gouvernement. Et lorsque vous faites un calcul, nous aurions dû avoir une réduction de 18 membres au niveau du gouvernement sortant. Et sur la question de savoir si c'était un choix d'efficacité ou un choix politique, je m'en veux, mais je vais devoir vous voler vos deux mots. Parce qu'il justement, il s'agit des deux. Parce qu'il fallait tenir compte de l'efficacité et de quand même donner le signal du souhait de montrer que nous voulons réduire le train de vie des institutions. Nous sommes arrivés à une réduction de 10 postes sur les 18 qui étaient prévus. Mais en ce qui concerne le chiffre auquel on est arrivé, bien sûr qu'il s'agit d'un choix politique. Parce que, au-delà du fait que nous ayons reçu, comme je l'ai dit, les regroupements politiques ayant des députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous devions tenir compte des autres facteurs, c'est-à-dire la participation de la société civile, mais aussi de personnalités politiques. Et pour arriver à un juste milieu, nous avons dû faire une concession pour pouvoir arriver à ce chiffre qui fait finalement un mix des deux, d'efficacité, mais aussi du choix politique. C'est ça que je peux répondre à cette question. Et en ce qui concerne la question de Madame Paty, nous avons d'abord le temps que nous avons pris pour la formation du gouvernement. Alors, ici, je devrais d'abord dire que depuis, j'ai donné le chiffre, ça a pris 57 jours pour y arriver, mais nous avons tenu compte aussi du temps parlementaire. Parce que, comme vous le savez, je l'avais annoncé, nous devions être au niveau du Parlement le 15 mars, jour de l'ouverture de la session du mois de mars de l'Assemblée nationale, mais que, finalement, lorsque cette session s'ouvre, il y a tout un calendrier qui doit être établi et adopté. Et ce n'est qu'après cela, parce que même si nous avions sorti le gouvernement au début du mois de mars, nous devrions quand même attendre finalement que cette session puisse s'ouvrir et que nous puissions être programmés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous avons simplement mis ce temps à profit, ce délai par rapport à l'ouverture de la session et l'adoption du calendrier pour parachever les discussions que nous avions commencées, parce que avec certains groupes, et la plupart d'entre eux, nous sommes arrivés très vite à des points d'entente, mais avec d'autres, ça a pris un peu plus de temps. Nous remercions les premiers pour leur promptitude et la patience qu'ils ont eue dans les discussions que nous avons eues avec les autres groupes pour arriver à ces résultats. Et je pense que le plus important, c'était d'arriver à une forme de consensus dans la formation de ce gouvernement. Et bien que, parce que vous avez demandé si tout le monde allait trouver satisfaction, je pense que
Certainement pas, parce que je vous ai dit que l'engouement de servir la nation était grand. Mais je vais revenir sur le fait que j'ai insisté chaque fois que j'ai reçu la plupart des regroupements, sur le fait que c'est le plus important, c'est de participer à la reconstruction du pays et de mettre en avant les intérêts de la nation et de la population congolaise avant de mettre en avant les intérêts des partis. Donc, en ce qui concerne les 27% de la participation féminine, ce que nous attendons d'elles, c'est qu'elles soient à la hauteur des fonctions auxquelles elles ont été assignées. Il faudrait qu'elles puissent démontrer leurs compétences, et même plus pour moi, et même plus, parce que ça permettrait de convaincre d'en avoir encore davantage, non seulement au niveau du gouvernement, dans les prochains gouvernements qui seront formés, mais aussi au niveau des autres institutions. Merci, madame. Les orangés, après nous, le parlement. Le micro. Merci. Professeur Tabou Kémy, qui est là, la famille. Excellence, vous avez parlé de la paix et de sécurité. Si vous pouvez reprendre, je n'ai pas bien noté le nom. Tabou Kémy, du journal africain. Vous avez parlé de la paix et de la sécurité comme la priorité de votre priorité. Aujourd'hui, à l'est du pays, la population est en train de marcher contre la MONUSCO. Ils ne veulent pas que la MONUSCO reste. Comment vous allez aborder cette question, puisque ça fait 20 ans que la MONUSCO a appuyé la petite démocratie du Congo sur le plan sécuritaire pour la stabilisation de notre pays. Merci. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Christian Lusakou, No Top Congo FM. Vous arrivez à la tête d'un gouvernement qui a déjà un budget préétabli. Alors, vous dites avoir vos priorités dans un environnement Covid qui n'est pas à la faveur de l'exécutif. Quelles seront les premières mesures que vous allez prendre dans ce sens? Et est-ce que, comme le disent déjà certains, vous allez revoir à la baisse ou à la hausse les prétentions budgétaires du gouvernement? Oui. Merci une fois de plus pour cette deuxième série de questions. Alors, M. Mukendi de African News, en ce qui concerne la sécurité à l'est du pays et la problématique de la MONUSCO, en ce jour particulier où il y a une marche pour obtenir le retrait de celle-ci. Alors ici, je peux avouer que depuis ma nomination, j'ai eu une rencontre de prise de contact avec Madame Bintou, qui est la représentante de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Et dans les échanges que nous avons eus, il a été fait mention du plan de désengagement de la MONUSCO, parce que c'est un plan qui est déjà existant, mais sur lequel il y a du retard, parce qu'il y a des préalables. Et donc, ce que nous devrons faire, c'est nous atteler à ce que ces préalables soient rencontrés pour que ce plan déjà établi puisse suivre son cours. Parce que ici, il est une question de responsabilité et de sécurité.
il faut le prendre à la hauteur de la mesure de la question et agir prudemment. Mais, comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'une fois que nous sommes en place, nous puissions prendre langue, avec, une fois de plus, avec les responsables de la MONUSCO et voir comment est-ce que ces préalables pourront être rencontrés. Et en ce qui concerne la question principale avec des sous-questions de M. Christian, c'est-à-dire la question du budget de l'État, parce qu'effectivement nous arrivons dans un contexte où nous avons un budget déjà établi, et je veux même souligner avec des affectations précises. Et donc ici, l'exercice que nous devrons faire, c'est d'abord... parce que nous avons parlé des réformes. Ces réformes, elles vont se faire dans le domaine fiscal pour aller dans le sens d'accroître le budget. Ça, c'est d'abord l'une des premières priorités que nous avons, parce que nous devons nous donner les moyens de notre politique. Nous ne saurons pas faire face non seulement aux questions sécuritaires, mais surtout à la question sanitaire, si jamais nous ne donnons pas les moyens de notre politique, et donc il va falloir aller dans des réformes fiscales. Et en ce qui concerne les pré-affectations, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, nous puissions voir au niveau du budget qui a déjà été voté et de nos priorités, lesquelles peuvent être poursuivies telles quelles. Et là où nous aurons la possibilité de revenir vers l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas de le faire si ça va dans le sens de notre programme de gouvernement qui, lui, est axé sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà, merci. C'est la dernière série. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est Joël Cadet, Journal Impact News. Tout en vous félicitant pour le temps mis par vous pour former ces gouvernements, est-ce que je puisse savoir quelles sont les forces que de ce gouvernement ou de ses membres face aux défis qui vous attendent, notamment en ce qui concerne la situation aussi bien sociale et sécurité. Merci beaucoup. Rachel Kitita, Tutrente Magazine, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que le profil de chaque membre de votre gouvernement correspond au poste que chacun occupe? Par exemple, la formation, est-ce que vous en avez tenu compte, puisque lorsque vous avez reçu des délégations, il a été demandé pour certains, que je ne veux pas citer pour ne pas frustrer les uns et les autres, que des ministres experts en la matière soient nommés dans certaines fonctions ou certains ministères. Est-ce que vous en avez tenu compte? Mais finalement, le ministre prêt, par exemple, s'il fallait réduire la taille du gouvernement, est-ce qu'il fallait revenir encore avec un ministre prêt ou, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en dire, puisque c'est la taille du gouvernement qu'il fallait réduire et peut-être réduire ou élaguer carrément certains ministères dans votre gouvernement? Merci. D'abord à M. Joël, sur les forces qui participent au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Je pense que si jamais vous vous referez aux différentes invitations que nous avons faites lorsque nous avons commencé les consultations en vue de la formation de ce gouvernement, vous aurez déjà une idée des forces qui composent ce gouvernement. Mais je peux citer, en allant en termes de forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, à titre illustratif, le groupe Ensemble, qui est présidé par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe,
et qui contient en son sein 5 sous-regroupements, dont l'AMK, l'AR et 3 autres. Ensuite, nous avons l'AFDC, qui est dirigée par, qui a été conduite par l'honorable Bahati Lukwebo, modeste. Nous avons ensuite reçu l'UDPS et par la suite nous avons reçu le MLC, l'UNC, je peux citer d'autres forces, d'autres regroupements qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le groupe AAA qui était amené par l'honorable Pius, le groupe AABC par l'honorable Paloukou, et tant d'autres. Vraiment, la liste est non exhaustive. Votre question peut-être mérite qu'on puisse donner plus de précision au niveau des cases qui se trouvent à côté des membres du gouvernement qui ont été nommés. Comme ça, on pourra revoir non seulement de quelles forces politiques elles proviennent, et ça permettra par la suite d'établir les différents équilibres qui ont été faits au niveau de ces forces politiques qui participent finalement au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et pour Madame Rachel, en ce qui concerne les profils des personnes qui vont animer les différents postes ministériels, nous avons tenu compte au maximum du profil des personnes devant animer les différents ministères. Je pense qu'il vous souviendra que lorsque nous avons reçu surtout la plupart des associations et syndicats de la société civile, il nous avait été demandé de sortir des clivages politiques pour prendre des personnes du domaine, vraiment du secteur, même si elles ne sont pas activistes politiques. C'était un idéal, mais nous avons dû revenir vers les forces politiques, simplement parce que du point de vue de la Constitution, le gouvernement que nous devons former doit tenir compte de la coloration politique du Parlement. Et c'est donc les forces politiques qui nous ont transmis des profils qui devaient pouvoir animer les différents secteurs ministériels. Et parfois, nous avons dû, effectivement, je l'avoue, prendre des personnes polyvalentes, en espérant que leur expérience avérée dans le monde professionnel pourra leur permettre de rencontrer les attentes de ces secteurs-là. Voilà ce que je peux répondre. Merci, madame. Excellence, monsieur le Premier ministre, si vous pouvez accorder juste deux questions, si vous permettez, s'il vous plaît. Il y a Israël et l'actualité française. Deux questions seulement. Merci, merci, Excellence. Israël Mutombo, Bosol. La question est à Lingala parce que les autres ont posé leurs questions en français. J'en profite pour vous poser toutes ces deux questions en Lingala. Si on pour la le lingue mokonziamboka pesaki yo confiance et puis les loyo attaque et umeli voilà la malamo pour le gouvernement finalement ebimi. Motuna li bosuezali depuis au komi premier ministre. Okuti finance ndenge nini pe ba réforme nini yozo kana kosala pote yango ebongwana ya mibale likambo ya social ya ba congolais ba konyokwama ezalaki moko ya kolaka ya mokonzi ya mboka ya kobongisa social na bango na kopesa kamoko précis lokola ba soda o bazobunda na beni na pasi prime na bango bazwaka babengaka prime de combat eza na $20 bazwaka ngo par mois $20 ya pamba. Alors que ba ministre ba kotambola na mituka misato to mine na ba cortège na bango. Est-ce que ozokanisa ko diminuer train de vie à ba institution pour te pesa espoir na ba o bazangi ba matape mo ndambo. Esili. Actualité précédée. Rapidement. Actualité précédée. Thank you.
Bonsoir. Je suis... que le gouvernement de l'Union sacrée n'est pas différent du premier gouvernement de la coalition FCC-CACH au regard du prix dans la formation du gouvernement. Merci pour les deux questions. Je vais commencer par la première, Ndeko Israël. Par rapport à finance au Nakuti, depuis que Nazana poste, tant où Nazak est nommé, ça veut dire le 15 février 2021, Nazak est au salle de consultation pour la formation au gouvernement.